Olivia et Anastasia de Trinity One TV. Alors ce soir, on est au Lux Expo pour un événement autour du tatou, The Storm. Alors franchement, bon voilà, moi les tatous, ça me fait flipper. Et toi? Moi, j'adore Olivia, franchement, je suis super excitée d'être ici. Alors on va aller faire un petit tour, on va voir, il y a plein de stands, de tatouages, des t-shirts, des choses autour du monde du tatou. Et on a hâte de découvrir ça, venez avec nous. Bonsoir, alors moi je suis Laurent, je suis en fait le représentant de la marque Rastaroute et je suis avec mes collègues en fait Gudwell et Paoro qui sont du shop Dark & Shoe à Bruxelles. D'accord, et alors du coup là on est dans la convention de tatou pour resituer un petit peu la situation, qu'est-ce que t'en penses? Dans l'ensemble c'est bien, il y a du monde, alors comme c'est très grand on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde mais en fait il y a énormément de monde parce qu'on voit plein de têtes et voilà, mais sinon... L'accueil super sympa en tant que artiste et tout ça, nous on a été très bien accueillis, on discute avec tout le monde, on a plein de nationalités donc c'est vraiment sympa quoi. Vous pensez quoi de la convention? C'est la deuxième fois que je viens, moi j'aime bien de voir d'autres artistes et tout, c'est vraiment pas mal. La convention luxembourgeoise, qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon partage entre les collègues, les exposants, tout ce qu'il en est. Il y a pas mal de choses à voir, des artisans comme voilà. Et je pense que c'est toujours bien à faire pour nous tatoueurs de rencontrer du monde et d'aller dans ce milieu-là. Quoi. Nous sommes ici avec Carla qui n'a pas mal du tout, n'est-ce pas Carla? Oui, non. On s'en passe super bien. Dis-moi, comment tu trouves la convention? C'est la première fois que je viens ici. C'est énorme. Je suis dans l'antre d'un stand. Insolite, c'est incroyable. Alors là, vraiment, qui es-tu? Bonjour déjà, moi je m'appelle Marc-Antoine. Je viens de Belgique, à Liège. Et mon stand, c'est un stand où on travaille essentiellement la thématique du cul. Voilà, comme quoi. On peut le voir derrière nous. Ouais, voilà, comme la fresque qui est dans notre dos. Ouais, c'est un melting pot de tout ce qu'on pourrait faire ou pas. What do you think of the tattoo convention so far? I think it's the first time that we are here in Luxembourg, and it's really great. It's big, yeah. We had a lot of new faces and connections and so on, and yeah, we like it and we enjoy it. And the organization is perfect. I'm very happy to be here. For me, it's a very good convention. I feel good. I feel good because the people here are very nice to me, and I love tattoo conventions and I love to meet people from all walks of life, and I've certainly met quite a few people in these last 3 days, and every one of them has been very respectful, and I'm glad that some of them remember what I do for a living, which is nice. Pour le moment, on est très très content. On avait vendredi on avait une bonne entrée et on a remarqué que les gens ils sont quand même curieux et ils ont remarqué que c'est quand même cette année c'est pratiquement le double de l'année précédente. Et on est très très content. On va faire la même chose l'année prochaine, on va pas grandir, on va laisser comme ça. Le standing va être un peu plus haut. C'est la cinquième édition que nous on fait et tous les ans on a rajouté quelque chose ou expérimenté pour faire quelque chose de mieux. The Storm c'est fini malheureusement, mais on s'est vraiment éclaté, c'était génial. Mais malgré tout, Olivia ne s'est pas fait tatouer. Je me suis dégonflée. Restez avec nous pour plus d'aventures sur Trinity One TV. Merci beaucoup. Bisous mes chatons.